Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la patte One and One pour la pêche de la carpe au cou. Donc la patte Fun Fishing est conditionnée en sachet de 500 grammes. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser la patte Monster Crab, c'est mon arôme préféré. Ici c'est une patte qui fonctionne très bien. Alors pour la préparation, donc la patte One and One c'est très simple, une dose d'eau pour une dose de patte. Voilà, c'est indiqué sur le paquet. C'est une première base donc pour la mouiller. Après, vous pouvez la surmouiller si vous avez envie de pêcher avec une patte un peu plus molle. Et puis la mouiller un peu moins si vous voulez emmener dans des grosses profondeurs. Après, tout dépend de comment vous avez l'habitude de pêcher à la patte. Mais la base du mouillage, c'est une dose d'eau pour une dose de patte. Alors, pour ne pas faire des trop grosses quantités, j'ai tendance à utiliser mes coupelles, tout simplement. Donc on va faire une dose. Une première dose, donc je remplis ma coupelle et après je remets exactement la même chose en eau. Alors, suffit de mélanger. Voilà, ça se présente comme ça une fois que c'est mouillé. Mais vous verrez rapidement, vous allez avoir un produit bien homogène qui tient bien à l'hameçon. On va la laisser gonfler et je vais vous expliquer comment je démarre la pêche quand je pêche à la patte. Alors souvent, on peut également amorcer avec une grosse boule de pâte et commencer à pêcher dessus. Moi, généralement, je fais un tapis de pelée de 3 mm, donc du même arôme, hein, Monster Crab également. Et après, forcément, c'est les boules de pâte que vous allez reposer quand vous allez pêcher, prendre les poissons ou décrocher les poissons qui vont amorcer le coup. Donc c'est pas la peine de mettre un kilo de pelée au départ, une première coupelle, et ça suffira pour démarrer. Après, c'est la pâte qui va faire le reste. Voilà, vous pouvez également en garder un petit peu d'avance pour en remettre en cours de pêche. Voilà, ça me permettra de démarrer ma pêche. Voilà, donc après 10 minutes, j'ai laissé gonfler la pâte. Donc là, elle est prête à faire feu. Hein. Elle est extrêmement malléable. Voilà, donc là, il ne reste plus qu'à faire les boules de la taille que vous voulez et commencer de pêcher. Donc pour pêcher à la pâte, il faut utiliser une coupelle de sillon. Alors, voilà, donc ça c'est ma ligne pour pêcher à la patte, avec un flotteur PS2 en 0,50. Donc j'ai déjà pris le fond, j'ai une toute petite bannière, à peu près 20 cm.
Voilà, donc c'est ce qu'il faut pour pouvoir bien contrôler la ligne quand vous pêchez à la patte. Si vous avez une bannière beaucoup trop longue, vous n'arriverez jamais à vous régler correctement. Donc je vous conseille d'utiliser vraiment la bannière la plus courte possible. Alors, une fois que vous avez réglé votre fond et que vous avez coupé la bannière pour avoir une ligne qui pêche le mieux possible, donc on va commencer par mettre la patte à l'hameçon. Donc vous prenez votre hameçon dans la main gauche. Vous faites une boule de patte dans la main droite ou l'inverse. Vous mettez l'hameçon dans la patte. Et vous refermez malaxer un tout petit peu. Voilà. Et là, la boule de patte est prête à pêcher. Vous la posez dans la coupelle de sion. Et après, il reste juste à emboîter. Alors c'est très important d'emboîter tout doucement, hein, que la ligne ne se balade pas à droite à gauche. Donc, on met toujours la canne en place. Et après, on bascule la boule de patte. Voilà. Donc la boule est en train de descendre. On reprend la main sur la ligne. On se met bien à la verticale. On attend que la boule arrive. Et là, on peut relâcher. Mordu en fait quand j'ai redécollé ma boule de patte. J'étais posé statique pendant 3-4 minutes, pas une touche. Et en fait, au moment où j'ai redécollé ma patte, à ce moment-là, elle a pris direct. J'en profite pour vous présenter les deux nouveaux arômes qu'on a sortis cette année, en 2016. Donc le mango and butyric.
Donc c'est une pâte fruitée à base de mangue avec l'acide N-butyrique qui a été essayé depuis quelques années dans la pêche de la carpe et qui fonctionne très très bien. Donc une pâte fruitée à avoir l'été, ça peut être intéressant. Et puis voilà, un autre produit, la pâte whitefish. Donc à utiliser en priorité, surtout quand l'eau est très très teintée. Genre dans les carpodromes avec beaucoup beaucoup de poissons, où vous avez beaucoup de carpes qui cherchent, bon, c'est vraiment la pâte qui peut faire la différence. Surtout en plus quand l'eau est très chaude. Donc essayez, vous verrez, vous serez surpris des résultats. C'est vraiment une pâte, bah, de par sa couleur et sa texture, qui peut faire la différence sur les plans d'eau qui sont surpêchés avec de la pâte qui a la couleur de pelée naturelle. Voilà, donc je vous invite à essayer ces deux parfums, qui sont donc les deux nouveautés de l'année 2016. Donc Whitefish et Mango N-butyrique. Donc vous retrouverez de toute façon toutes les infos sur les pâtes one and one sur notre site internet www.funfishing.fr.